Nettoyeur de toilettes chez Microsoft. C'est l'histoire d'un monsieur qui, vraiment au chômage, n'avait plus aucune ressource et il s'est dit, il faut absolument que je trouve un job. Donc il va chez Microsoft, il dit, je veux un job n'importe quel. Il me dit, on n'a pas de job, vous n'avez pas les qualifications nécessaires. Le seul qu'on puisse vous donner, c'est vraiment dans le nettoyage, etc. Donc ils font un test avec ce monsieur pour voir si effectivement la personne a les qualificatifs nécessaires. Et au moment, vous lui dites, ok, d'accord, vous avez démarré avec nous, laissez-nous votre email. Et la personne le regarde et fait, mais je suis désolée, j'ai même pas d'ordinateur, encore moins d'email. Il fait, ah non, ça va pas être possible. Si vous n'avez pas d'email, ici on est dans une infrastructure, tout passe par les écrits, désolé, vous n'allez pas faire partie de la team. Il est sorti de là, 100 € en poche, complètement déboussolé, complètement perdu, en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire avec 100 € en poche, c'est pas possible. Il dit, bon, ben, je vais aller passer du temps dans un supermarché juste pour me remettre de mon choc. Et dans le supermarché, en fait, il observe les gens et il y a beaucoup de gens qui prennent des jus vitaminés. Il se met au niveau de la caisse et il observe et il remarque que pas mal de gens achètent les jus. Il s'est dit, de toutes les manières, j'ai cet argent, voilà ce que je vais faire. Je vais aller acheter des jus et je vais aller les vendre. Les vendre soit dans la rue, soit faire du porte-à-porte. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a tout déposé. Toute sa petite cagnotte, il a acheté des jus multifruits, vitaminés, et il est allé faire de porte-à-porte, et il les a vendus dans les bouches de métro, et en très très peu de temps, il a doublé sa mise. Il a adoré le phénomène, et il est parti encore au supermarché, et il a encore réacheté des choses. Et à la fin de la journée, il s'est retrouvé avec 600 €. Il s'est dit, mais mon Dieu, c'est pas possible, ça marche, c'est mieux que de laver les toilettes chez Microsoft. Alors je vais continuer comme ça. Et petit à petit, à chaque fois qu'il gagnait de l'argent, il réinvestissait. Donc au début, il faisait ça comme un marchand ambulant avec vraiment un étalage au sol, dans les bouches de métro, il faisait du porte-à-porte. Après, il a acheté une petite charrette, un peu comme ceux qu'on voit pour les personnes qui vendent les macarons à Paris, pas les macarons, les marrons à Paris. Ensuite, il a acheté une petite camionnette. La petite camionnette a fait des bébés. Il a commencé à avoir un gros parc de voitures jusqu'au moment où il s'est lancé réellement dans la distribution en grand. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a 200 franchises un peu partout dans la France. Dans mon histoire, dans mes sources, je n'ai pas eu le nom malheureusement de cette franchise. J'aurais adoré vous la donner. Toujours est-il qu'en s'avançant dans l'âge, il s'est dit « Oups, là maintenant, il va falloir vraiment que je pense aussi à ma famille, à mes enfants, etc. Je vais peut-être contracter une assurance vie. On n'est jamais suffisamment prudent, donc il appelle quelqu'un à son bureau et la personne donc, se déplace, lui propose le plan adéquat d'assurance qui lui conviendrait le mieux. Et la personne, pour conclure, dit « Bon, bah, écoutez, c'est parfait, tout est bon, j'ai juste besoin de votre adresse email pour vous envoyer le contrat. » Fait ben non, je n'ai pas d'adresse email, j'ai toujours pas d'adresse email. Et l'assureur se retourne vers lui et lui fait ah bon, vous n'avez pas d'adresse email? Oh, vous imaginez qu'est-ce que vous seriez devenu si vous aviez une adresse email? Il fait ah ça je sais, je serais éboueur et nettoyeur de chiottes chez Microsoft. La morale c'est ce qui vous arrive pour votre bien. Ce qui vous arrive, même si vous ne le voyez pas, c'est l'univers qui est en train de vous pousser un peu plus pour sortir de votre zone de confort pour une meilleure situation. Quand quelque chose vous arrive, au lieu de tout de suite juger que c'est la merde, que c'est la catastrophe, que le ciel vous est tombé sur la tête, non, attendez de voir, c'est peut-être un cadeau que l'univers vous envoie, c'est peut-être un cadeau, un miracle que notre Créateur vous a mis sur le chemin. Pensez toujours positif, c'est élémentaire. Imaginez ce monsieur s'il était parti acheter ses 100 € en alcool en disant ben, pff, laisse tomber, ma vie elle est foutue, même nettoyer les chiottes, on ne veut pas de moi, allez, je vais me saouler, ça va être mieux. Eh bien, il aurait été peut-être SDF des années plus tard en train de demander 1 €, 20 centimes. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit, je vais aller me changer les idées, je vais aller juste dans un supermarché me balader dans les rayons. C'est une idée qui lui est venue, et bien il en est sorti avec une idée de business. Ce qui vous arrive n'est pas fatal, n'est pas grave, ça peut être important, mais sachez-le, je veux que vous le sachiez, je l'ai vécu et c'est tellement vrai. Aujourd'hui, j'en ai fait un leitmotiv. Eh, la tempête, elle ne dure jamais. Céline,
Tout le monde a droit à ses tempêtes. Moi aussi, j'ai mes tempêtes. Il y a des jours, Nabil vous le dira, hier, on avait prévu de faire un tournage. Eh ben zéro, que nini, j'avais pas le moral, j'avais pas la tête qu'il fallait, j'avais des yeux cernés comme ça, j'étais fatiguée. On a fait autre chose, on a bossé sur d'autres projets, mais on n'a certainement pas tourné. Tout ça pour vous dire quoi? La vie va vous faire changer de programme et faire changer de cap. Accrochez-vous, voyez derrière chaque catastrophe une opportunité. Vraiment, voyez derrière chaque catastrophe une opportunité, vous ne pouvez pas savoir comment ça peut vous changer complètement votre vie parce que vous êtes là en train d'attendre que quelque chose d'extraordinaire vous arrive. C'était Nahid Rached pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Hada huwa, et Allah yahfadkoum.